Hier, bon, le potting était so-so. Fait que j'avais une petite idée, mais tu sais, d'essayer de faire des ajustements, pas nécessairement facile là, quand tu es dans le beat d'une journée. Fait que quand je suis arrivé hier soir au condo, coupe de stroke pour dire, juste pour essayer de pogner un feeling un peu différent, juste faire un petit check-up là-dessus. Puis ce matin, j'ai commencé par ça, juste essayer de voir si ça tenait la route. Puis comme de fait aujourd'hui, c'était une histoire un peu différente sur les verres, là. Ce qui était bon parce que c'est ce qui a tenu un peu la ronde. C'est ce qui m'a permis de pogner du beat en fait. J'ai fait un paquet de potes que hier je n'ai pas fait. Puis tu sais, bon. Ouais, plan de match, pas trop. J'ai pas fait de, mettons, de changement de club ou de. Sur le tee, j'ai à peu près gardé la même affaire, juste accepté le fait qu'il allait en avoir une coupe de plus long pour rentrer au green. Là. Fait que ça. La seule affaire qui était plus. Vent d'en face, quand ça a commencé à rentrer, là, justement, quand le vent s'est levé, c'est là qu'on s'en venait dans le stretch ou dans le dos, on allait l'avoir au 18, ça devrait être tout. Là. Je ne l'ai pas fait, mais vraiment de bons swings. Sur le tee, oui. Vers le green, ça a été très, très ordinaire. Là. Fait que tu sais, t'es capable d'en récupérer un sur deux là-dessus. Là, mais ça, s'il y a de quoi, c'est sûr que je vais aller essayer de mettre le doigt. Là. C'était déjà bon hier d'être là parmi le top du groupe. Puis de pouvoir maintenir un peu la cadence aujourd'hui. Puis ça, c'est le fun. Puis justement, comme je disais tantôt, il n'y a rien de plus cool, ben, en tout cas pour moi, là, d'être sur le gun un peu, puis jouer au golf quand que ça compte, il n'y a rien de plus trippant. Là.